T'as pas vous apprêter son appart pour faire la soirée? Non, on a juste dormi là, genre. Enfin, on a dormi, on a juste fait un live ici. Pas encore dormi. Je crois qu'elle meurt. Elle s'étouffe, miskine. Mais ça va aller, t'inquiète. Force à Watt. Je rentre pas en vacances, je vais même faire les JO, lol. Mais non, il y a des gens ici qui travaillent pour les JO. The fuck? Force à vous. Hein. En vrai, vous allez grave faire du bif. Il y a grave du bif à se faire pour les JO, je pense. Moi, dommage, je pars parce que sinon, en vrai de vrai, j'aurais grave fait un truc aussi pendant les JO. J'aurais grave taffé, genre en événement, enfin, tu sais, les trucs événementiels, genre intérim, etc. Il y a grave du travail et franchement, c'est pas mal payé. Hein. Moi, j'ai des potes qui font ça, c'est ça a l'air d'art, donc. Elle croit qu'elle a fait des trucs dans le lit parce qu'elle avait un mec avant ma pote, du coup, forcément, elle a ramené son mec ici. Ouais, conducteur de bus, lol, MDR. Ah, putain, force à toi. Bah, après, ça va, t'es assis toute la journée, tu conduis. T'as pas le pire taf non plus, genre. T'es pas à plaindre, j'ai envie de te dire. Ton sourire est incroyable. Merci beaucoup, c'est gentil. Musa, il y a le parquet qui demande c'est quand ton train? Comme toi, tu veux vraiment savoir à quelle heure son train est là. Paris est devenu tellement nul depuis les JO. Pourquoi tout le monde se plaint? Moi, je suis hyper contente. Hein. Je suis la seule à être contente, j'ai l'impression. Mais après, c'est peut-être parce que moi, je conduis pas à Paris. J'ai pas la voiture, etc. Je suis tout le temps en vélo. Du coup, c'était pour ça. Mais les JO, c'est trop tard. Genre, déjà, ça fait. Enfin, je sais pas, ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu les JO à Paris. Ou je sais pas s'il y a déjà eu les JO à Paris. Mais. C'est pas un bail de c'est tous les 100 ans, un truc comme ça. Je sais pas si je dis la merde. Hein. Moi je dirais de la merde, mais. Bon, on a grave la chance que ce soit à Paris, on habite ici. Vous êtes là, vous vous plaignez. Soyez contents, non? Moi je vais grave aller voir avant de partir. Hein. Vu que je pars le 29, ça va commencer le 26. J'ai pas eu de place pour les ouvertures, etc. J'ai le seum parce qu'il y a grave des trucs qui étaient gratuits où tout le monde pouvait en avoir. Et j'ai pas été assez vif. J'ai le démon. Mais ça va être grave d'art. En vrai, le truc qui est bien, c'est que genre j'habite à côté, du coup je pourrais voir, etc. Donc, j'habite pas loin d'où il y a des trucs et tout, à côté de la Seine, c'est carré. T'as dit tu pars en vacances? Ouais, je pars en vacances, je pars le 29, je vais en Grèce. Non, même les barrières partout et tout, c'est trop relou. Bah, après, c'est vrai qu'il y a des barrières un peu partout, du coup tu dois faire des tours, des détours, etc. C'est chiant. Mais en vrai, ça va, hein. Vous abusez du vol. T'habites où sinon? Paris, Paris 15e. Force à tous ceux qui vont aller dans l'eau, MDR. Ça, on n'est pas ensemble. Après, il va faire chaud, donc ils ont l'habitude, en vrai, ils ont l'habitude. Mais je suis sûre qu'on va avoir des maladies plus tard. Genre, il n'y a pas de vaccin contre ça, genre, contre les trucs de la Seine. Après, il y en a, ils critiquent de ouf, mais il y a grave des jeunes de notre âge qui vont se baigner, vous savez, dans les lacs, là, pas les lacs, mais la rive, etc., vers Paris et tout. Genre, en été, les gens, ils sautent des ponts et tout, ils vont à la Marne. Ça, je comprends pas, tu vois. Genre, il y en a, ils critiquent, mais vous vous baignez dans la même eau. Hein. Genre, rendez-vous compte, juste. C'est la même eau. S'il y a moyen de choper Louisa avec toi, comment ça? J'ai l'habitude de voyager. Pas trop, hein. Fait ce qu'on peut. MDR, tous les cadavres dans la Seine, obligé. De ouf. Ça, c'est dégueulasse. Jamais je mets un pied dans la Seine, genre, jamais d'avis. J'adore les gens qui font des lives debout. Mais tout à l'heure j'étais assise, hein, c'est juste que là. Je sais pas pourquoi je me suis levée. Ah oui, j'avais mal au dos, c'est vrai. J'étais me baigner à Saragi et c'était très bien. Bah, force à Watt. Hein. J'avais de la vie, je mets un pied dans l'eau dégueulasse là. Non, à Lyon, il saute dans le Rhône. Dans la Saône. MDR, les poissons, tu peux pas les consommer. Bah oui, ça, j'imagine bien que tu les consommes pas, les poissons qu'il y a dedans. Il y a que des Parisiens là-bas, non? Du coup, il y a un Lyonnais. Il doit y en avoir plein d'autres qui viennent d'autres parts, en vrai. Mais un coussin, toi aussi. Mais en fait, il y a pas de coussin ici. C'est ghetto. Il y a pas de coussin. C'est le coussin qu'il y a l'après, je crois. Tu bois la tasse, t'as 40 ans de cancer, mais laisse tomber, mais de ouf, de fou malade.
Where are you from, sweetheart? I'm from Paris. I'm from France. Et là, je suis de Lyon. Bah, tu vois, il y a des gens qui viennent de Bruxelles. Attends, de Bruxelles? Ouais, Bruxelles. C'est un appartement juste pour dormir. Mais en fait, moi, j'habite juste à côté. Hein. De base, je devais pas rester jusqu'à là. De base, je devais rester une heure ou deux. On a décidé de faire un live et au final, j'arrive pas à couper live en fait. Alors que je suis hyper calme. Ouais. Il y a pas de télé ni de micro-ondes. Bah, il y a pas de télé, mais je crois qu'il y a un micro-ondes et tout. Il y a pas de télé. Après, vas-y, elle dort. Elle est là pour ses études, hein, ma pote. C'est le Cruz, quoi. T'es trop fraîche, c'est abusé, merci beaucoup, c'est gentil. Bref. Y'a pas un canapé où y'a des coussins derrière. Mais en fait, s'il y a un coussin, mais vas-y.